dinosaure. C'est mon ami et bien plus encore. Denver, le dernier dinosaure. Viens d'un monde jamais vu encore. Bonjour à tous, bienvenue dans Jurassic World Evolution. C'était Camon et on se retrouve dans l'épisode 2 où on fait la quête principale de la science, avoir un tricératops. Donc, on a vu un petit peu les bâtiments, les fonctions, le problème dessous, comment s'en sortir avec l'expédition et les fossiles. On a vu un peu tous les icônes, à savoir que je tourne pour la première semaine les 3 premiers épisodes de rang. Vous verrez ça lundi, mercredi et sûrement vendredi, à moins que je fasse que 2, je sais pas encore, sûrement 3, je suis motivé, je suis content de reprendre ça. Et donc on a la carte, donc tout va bien, on a un tricératops. On a 2 Struciominus. Savoir qu'il y a de plus en plus de dinosaures va attirer de plus en plus de touristes. Le problème, c'est qu'ils ne voient rien. Ils passent comme ça près de la grille. Si on regarde en info de gestion, ils ne voient rien du tout. Alors, en enclos, je crois que c'est là qu'on le fait. Clôture, porte, on s'en fiche. Voilà, le poste d'observation, la galerie, on ne l'a pas encore. Parce que ça coûte 150 000 quand même. Et ce serait vachement bien de le faire, ça nous donnerait plus de visibilité, plus de pépettes. Ça serait une priorité, je pense. Bon, on va regarder nos fossiles, ce qu'on a ramené, et on croise les doigts qu'il y a des cailloux à vendre. Non, toujours pas. Alors, par contre, on a le Triceratops, 20 000 dollars. Et on est un super dent de l'ambre. Regardez, ça reprend avec le moustique qui a le sang. Bon, je vais pas les vendre. Par contre, est-ce que je dépense tout de suite? Je suis comment en compta? 102 000. Oh, regardez, on est monté à 23 000 dollars par minute. Mais non. T'es sérieux? J'ai pas l'impression que ça monte tellement, là. Je regarde le chrono, là, l'aiguille tourne, 110 000. Ouais, bon, peut-être. Dans ce cas-là, on va être intelligent. On va continuer à faire du tricératops. Allez, je dépense des sous, on est descendu à 35 000. Je sais, ça fait mal. Mais il n'y a pas le choix. Bon. Hop, pendant cela, on peut toujours cliquer dessus. L'autre, il broute aussi, tranquille. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils broutent, alors qu'ils ont une obligation, c'est d'aller à la mangeoire. Le tricératops, on s'est vérifié, mais c'est un petit herbivore. Ok, je peux faire apparaître les statistiques. Bon, c'est le pied. C'est assez marrant, hein, franchement. Par contre, je le contrôle pas, je peux pas aller plus vite, rien du tout. Ok, son copain est là. Et notre cher Tricé. Avec les zones d'ombre et le soleil. Comment tu te sens? Le confort est toujours à 100%, donc ça va. Bien surveiller ça. Le profil. Ah oui, vous avez l'info dessus aussi. Herbivore cuirassé, l'appétit. Pour moi, ça ne parle pas, mais bon. Peut-être 114 points de nourriture, on ne sait pas combien de points. Seuil de confort, 40%. En dessous des seuils de confort. En fait, en dessous de ça, il devient fou. Et c'est là que les dinos commencent à casser les enclos. Et qu'on commence à rigoler. Donc là, ça va, je suis pas content. La note est de 27. Je n'ai fait aucun gène sur lui. Vous avez vu, authenticité plus 1. Un petit rappel, espérance de vie. Il a déjà 4 minutes. Ok. Et on a un rappel des dinosaures tués, tout ça. Bien. Je me demande quelle est la note de mes Struciominus, sachant que j'aurais mis 2 gènes, je crois. De base, qui me confirme que je monte en crise. C'est vrai qu'on monte bien, on est remonté. Hein. Si, si, on gagne beaucoup, beaucoup d'argent, ça commence à aller bien. On va être millionnaire dans pas longtemps. Seuil de confort, 10%. En fait, lui, il est super relax. Vulnérable à la rhinite. Il a une note de 9, mais il a gagné 1 en authenticité et 2 en modification. Très bien. Bon. Les touristes sont contents, moyennement. Vous voyez, pour l'instant, on a beaucoup aussi de scientifiques des laboratoires à monde. Et oh, l'hélicoptère est arrivé. Voilà. Oui, on peut voir les fossiles comme ça aussi. Oui! Allez, on vend 100 000 dollars. On a 192 000 dollars. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Un fossile d'amphibien qu'on peut vendre à 120 000 dollars. Oh, la bonne pioche! On est riche, on a débloqué quelque chose. Les fossiles d'amphibiens, voilà. Ça, c'est excellent. Bon, on est très bien parti cette fois. Enquête, si je reprends.
construisez et fabriquez un fast-food. On va le faire tout de suite. On va le faire pour avoir de l'argent. L'hôtel, lui, coûte 750 000. Le fast-food, 170 000. Quand je regarde, je suis un peu embêté parce qu'on pourrait faire un chemin... Oui, on pourrait. Hein. Alors, on va zoomer. On va le coller. On va optimiser un petit peu. On va se faire une sorte de rue marchande ou pas? Peut-être par là. Voilà. Le chemin. Et on va prendre une allée large. Peut-être trop large. Même couleur. Et large. Voilà. On va aller par là. On verra après comment on développe. Du coup, ici... Comment on peut enlever ce rond immonde? Voilà. On a réussi le contrat. Nouveau bâtiment, il y en a partout. Alors là, chapeau et merci. Pareil, on va monter un peu le personnel. On va le mettre à 3 personnes. Qui est au moins du service. Voilà, le fast-food est ouvert. C'est déjà mieux. On va prendre une mission, tout de suite. Alors, on a vu, du coup, on aura un parc commercial si on arrive là. Et lui, il me propose tout de suite un protocole de sécurité. Donc, on va peut-être continuer d'abord le divertissement. Voilà une bonne occasion de faire vos preuves. Un dino qui mange dans la mangeoire. Oui, c'est faisable. Ça, c'est faisable. Bon. On va retourner voir nos fossiles. Fossiles, j'ai dit. On va prélever l'ADN. On est à 58%. Allez, il faut qu'on bosse. Là, ça va être beaucoup plus cher, 40 000 dollars. Voilà. Qu'est-ce que fait mon centre d'expédition? Rien. On veut du tricératops. Allez. Alors, au fur et à mesure, je vais voir tout ce qui se débloque en information. Hein. Si ça vous va comme système, vous me le dites d'ailleurs dans les commentaires. La porte de Jurassic Park. Waouh. C'est vrai qu'elle est belle. Voilà. Ça, c'est vu. Bien. Et comme rappel, je ne fais pas les quêtes de science parce que elles ne se valideront pas tant que j'ai pas fait la grosse. J'ai hâte de découvrir toutes les avancées auxquelles l'achèvement de ce contrat nous mènera. Ben oui, mais je l'ai fini, d'accord. Merci pour ce que vous avez fait. Mais ça m'a pas fait évoluer. Mais je peux peut-être prendre du coup un autre contrat. Non, pas encore. On va augmenter les touristes. On est monté à 29 000. On va essayer de se faire un bâtiment sympa. La galerie panoramique. La fameuse galerie panoramique. Alors, comment on voit ça? On va la coller. Voilà. Et on va faire ce petit chemin pas dégueu. Voilà. On va augmenter du coup plus de touristes, vous allez voir. On est à 0%, qu'est-ce que ça va donner? Et est-ce qu'on aurait assez de sous pour faire un autre dino du coup? On verra après. On n'est pas encore au 70%. Et il faut que je fasse aussi la recherche de la maladie avant, ne pas oublier. Bien! Beaucoup de dinosaures, hein, finalement, cette rentrée. Alors, vous avez là toute la zone couverte, donc je pourrais en faire un autre. Je reviens dessus. Pour l'instant, on n'a pas de retour. On va laisser faire. Je pourrais en faire un ici. Alors, vos visiteurs aimeraient voir de plus près certains de vos dinos. Oui, et ça, plus tard. C'est génial, la gyrosphère. Pour l'instant, j'en ai peur. Il faut que vous construisiez des installations permettant d'accroître la visibilité des bêtes tout en garantissant la sécurité. La plateforme panoramique sera pas mal aussi. On va essayer de la débloquer au plus vite. Bon. Donc,
sort de là, et quand on regarde, on a accès à ça. Il va me falloir en faire un ici. C'est dans enclos, voilà, je me trompe. J'ai les moyens. Et ce qui est sympa, c'est que le jeu nous rappelle, voilà. Pas mal. On va faire le chemin comme d'hab. Mais il y a besoin cette fois d'électricité. Alors, pour relier le bâtiment qui n'a pas de zone, hop, on va devoir tricher et mettre un poste électrique. Vous avez vu les petites bulles, du coup. On va essayer de le mettre par ici. Ah, par là, c'est pas mal aussi. Il va dans la couverture. On va centrer la zone comme ça. Et le pylône. Clac, je l'ai branché. Normalement, il est dedans. Est-ce que les fossiles sont arrivés? Oui. Super. On est à 77%. Ah, oh, bah on a réussi. Allez, je casse-pique tout. On s'en fiche. On gagne beaucoup, beaucoup d'argent. On va faire un petit coup là-dessus. Très bien. Un dinosaure qui se nourrit dans une mangeoire. On va essayer de choper une autre quête. Pour faire plaisir, on va faire la division sécurité. Lambert, chef de la sécurité. La vôtre, d'accord. La leur et la mienne. Bienvenue dans l'archipel. Le casse-tête, c'est qu'on veut garder les dinos sous contrôle tout en encourageant leur comportement instinctif. Après tout, ces bestioles sont des armes potentielles. La crainte de tout le monde, moi y compris, c'est que les dinosaures finissent par gambader en toute liberté dans le parc. Mais pour avoir un impact au niveau mondial, il faut savoir prendre des risques. Ok. Alors, l'autre chose auquel je pense, donc là, ça va être facile, c'est un carnivore. J'avais critiqué au début, pas de vidéo pour que des vignettes, ça m'énerve énormément. Et dans ma critique de Délimar, j'en parlais, et je vous redonne le lien, de toute façon, en description de vidéo. On n'aura pas de dinosaures volants, mais vous pouvez dépenser encore des sous pour avoir la version de luxe, si vous débloqueront que quelques dinos en plus. Si on regarde les dinosaures à débloquer, il faudrait aller en science... pour voir ce qu'on a. Fossiles. Et voilà, la version de luxe, c'est ça. Vous aurez 5 dinosaures en plus. C'est génial. Donc, on a le Crichtonosaurus qui ressemble un peu à l'ankylosaure. On aura le Styracosaurus, un cousin éloigné et modifié du Triceratops. Le Majungasaurus, qui est sympa comme carnivore. Le Suchominus, mais bon, vous avez le Spinosaur qui est pas mal hein, quand même. Et l'Archéo. Bref, ce ne sont pas des dinosaures franchement indispensables puisqu'ils sont très proches. Génétiquement et physiologiquement d'autres dinosaures. À vous de faire votre choix. Et on a débloqué encore un personnage. Comme on a été voir la sécurité, on va voir sa biographie du coup. Georges Lambert. Voilà. Pas de nouvelles. Mais ça monte, hein. On est remonté à 93 000 dollars. Regardez maintenant, par rapport au premier épisode où on ramait. Et du coup, on a une maladie. Ah. La rhinite. Ça tombe bien, on la connaît. Donc je fais R, le garde. Hop, s'il te plaît, vas-y. Je le choisis. Bon sang, vous avez un dinosaure malade sur les bras. Mais oui. Faites ce qu'il faut pour le soigner. Ou vous en subirez les conséquences. Du coup, mon garde. Il y va. On va le suivre, hein. Oh, il est passé dans les touristes. Avec les caméras, j'ai pas pu trop vous montrer. Il est prêt, l'autre, il a avec son fusil. Il est chaud bouillant. La victime est là, en train de boire. Il a été soigné? C'est bon? Voilà. Ça c'est cool. Comme on a les deux vues panoramiques qui sont branchées, c'est bon, ça marche. On a une vue là-dessus. C'est vrai que par derrière on n'a pas trop. C'est comment est le plan? On pourrait faire encore. Ah oui, oui. Alors regardez la carte en fait de l'île. Voilà. On pourrait passer par là et faire un autre parc ici, remonter et faire un dernier gros parc là. Je sais pas encore comment on va faire, mais bon, on est monté à 32 000 dollars par minute. C'est quand même pas mal. Confort, nickel. Le garde rentre automatiquement. On va jeter un œil.
Ah bah voilà, vendre. Est-ce que c'est urgent? Pas tant que ça, mais bon. Je vous fais les archives à chaque fois, mais c'est normal. On a débloqué 50% de l'Edmontosaurus, ça y est. Alors il est pas mal celui-là aussi, moi j'aime beaucoup. Très sociable. Juste deux copains ou un, il fait pas la gueule. Et que d'autres seront très compliqués dès le départ à cause de la population. On va faire gaffe à ça. Bon, c'est bien mon gars. Alors, est-ce qu'on va faire une expédition? Oui, on va aller au fossile carnivore, on gagnera des sous, on va l'envoyer. On va aller du coup chercher le Ceratosaurus. C'est parti. Il va falloir qu'on fasse des sous quand même, hein. On est d'accord. Donc, vous voyez, le Triceratops c'est bon, l'Edmont. Alors avant de le faire, si on peut l'incuber. Combien? 230 000 dollars. Dès qu'on aura les sous. Et on recherche l'ankylostome, ça coûte. Ah ben, on fait la maladie. Voilà. On a toutes les autres maladies sympathiques à débloquer après. Si on fait un point un petit peu, on a quoi? L'intoxication par la fougère aigle. Le campylobactère. L'ammoniaque. La rage. Ouais, normal, quoi. Et il faudrait que je débloque aussi... on peut faire ça. L'ankylostome, c'est fait. La boutique, d'accord. Les visiteurs, c'est pas ça que je veux, c'est enclos. Combien ça me coûterait l'électrique? 200 000 dollars. Non, pas tout de suite. Moins d'une minute. Donc vous voyez, la mission se remplit. La maladie, le poste de garde est fait. Il ne restait plus que Triceratops. Et pour ça, il va falloir vendre un peu. Alors du coup, visibilité, on est monté à 100%. Pas besoin d'en faire un troisième. Ici, il me reste un total de 45. Ça marche. Et on a vu du coup le relais électrique. Ça aussi, c'est pas mal. Je me presse pas à faire un autre parc pour l'instant, parce qu'on essaye d'être un peu autonome. Et comment ça se passe ici? Bah, les gens sont contents. Mais on n'a aucune interaction avec eux. Non, on pourra rien faire d'autre, il faudra débloquer au fur et à mesure. Ici c'est vu. Ah, j'allais conduire un petit peu, mais les fossiles sont arrivés. Alors contrat terminé. Vous savez qu'on pouvait compter sur vous pour ce boulot. Voilà, on va en prendre un autre. Et lui, il va me débloquer quelque chose. C'est Lambert. J'ai une nouvelle mission et je crois que vous avez ce qu'il faut pour vous en charger. Jetez-y un coup d'œil et dites-moi ce que vous en pensez. Ouais, la quête principale, pareil. On va pas la faire maintenant puisqu'on a déjà une principale. Je veux monter un peu en dessous quand même. On va monter le divertissement. Je viens de recevoir ce contrat. Très intéressant si vous voulez mon avis. Deux nouveaux dinosaures, ça va être faisable, on sort. Alors on est monté à 200 000. Ça tombe bien parce que faire le Triceratops, ça va compter. Et hop, les fossiles. Est-ce que j'ai des fossiles intéressants à vendre? Bah oui, mais j'ai ça. Aucune demande pour celui-là? Attends, c'est le même? Ah, d'accord. Le médiocre, on va le vendre. On va le vendre, on va faire notre Triceratops, qu'on va continuer la mission. Espérance de réussite. Hop. On est monté en viabilité, regardez, d'avoir monté le génome. 92% pour l'œuf. C'est parti. Et si je fais un Strucio Minus pour réussir la quête, il faudrait 39 000 dollars. Voilà. Bien. Alors je voulais faire un truc vite fait. Le temps que ça incube, on va rigoler un coup. Il y a de plus en plus de touristes. Allez! Est-ce qu'on peut écraser des gens? Non!
C'est pas Carmageddon. On ne peut pas. Ah yeah. Est-ce qu'on peut aller à fond? On fait un tour du parc, vite fait. On voit les branchements électriques. Les gens s'écartent quand même. Ah, ils se jettent. J'ai gagné l'apparence de véhicule. Oui, j'ai fait le con. J'ai gagné un changement de look. Allez. Rentre tout seul. On va regarder ça. On a la livrée Jurassic classique. On peut modifier. On a maintenant la Jeep de 93. Oh, non. La Jeep de 2018. Oh, en rouge. Oui, ça marche pas. Bon bah écoutez, on verra. Est-ce que le garde va rentrer du coup et changer? Ça va, il n'y a eu aucun mort, regardez. Vas-y, fais ton créneau arrière. Oh là 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 là. Et il est en rouge, on a réussi. Dinosaure prêt à être transféré dans son enclos, super. On va commencer par Scrucio. Je pourrais l'ignorer, mais on aime bien quand même les voir sortir. Voilà, t'es beau, t'es beau. Très bien. En plus, t'as la radio, l'audio, le micro de la... l'animatrice qui annonce les naissances. C'est assez chouette ce coup. Contrat terminé. Deux dinosaures en plus. 250 000 dollars. Et c'est le divertissement qui monte dans son créneau de satisfaction. Alors est-ce qu'on a fini la quête principale de l'île en science? Est-ce qu'on va avoir notre million de dollars? Et tout de suite. Et voilà. L'ankylostome s'est déclaré. À nous de jouer. Salut, c'est moi, Isaac. Comment va? J'ai pas mal de projets sympas à vous proposer si ça vous branche. Venez rejoindre l'équipe des gagnants, mon équipe. Ouais, pas tout de suite. Et maintenant, il faut finir en les soignant. C'est pour ça qu'on est cherché. Ah, regardez ça. Raccourci des gardes, il le donne enfin. R. Équipe de garde, ajouter une tâche. Il est caché là. J'avais vu partir derrière la forêt. Et je vérifie avec la carte qu'il n'y en a qu'un seul. En effet. Bah enfin. On va y aller, hein, il est tellement douille. Oh là là, ouais. D'accord. On va le faire nous-mêmes. Allez. Alors, pour le fusil R. Vous devez administrer un médicament à cet animal si vous voulez le sauver. Oui, bah, je suis en train de le faire, je suis en train de le faire. Attends, trois fois, il me charge ou pas? Wow, 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 wow. Traitement administré. Ça a marché! Pourquoi par là? Alors, il faudrait que je prenne une photo aussi. Un qui se nourrit dans la mangeoire. La personne. Ah 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 ah. Je suis trop bas. Décidément. Personne n'a faim. Et du coup, j'ai dû finir ma quête principale. Oui, le million. On a débloqué la force cardiaque 2.0 désormais disponible. Oh. Nous allons créer un dinosaure de pure souche. Je crois que j'ai queené comme Bob voilà, Lennon, ça va pas. C'est un exploit que personne ne pourra ignorer. Et je sais, moi aussi je suis content. Vous y avez joué un certain rôle, cela va sans dire. Et j'ai gagné mon million. Oui. Nous formons une équipe des plus efficaces. Il faudra recommencer.
Je vous tiens au courant. J'ai vu le docteur Doua s'acharner en vain dans sa quête. Bon, mais guette, grâce à vous, elle pense désormais être sur la bonne voie. Croit-elle vraiment pouvoir réussir là où j'ai échoué? Rien, Récy. Bah ouais, ouais. Ah. Va manger, toi. Non. Je suis sûr que le tricératops va manger. Oui! Ah, on a réussi! Je ne sais pas ce que représente cette photo, et je ne sais pas si j'ai envie de le savoir. C'est cool. Alors du coup, il y a des gens à regarder. J'avais des doutes, mais vous avez assuré. Ah oui. Il y a des gens. La vache! Votre réputation a crevé le plafond. La division de divertissement a donc décidé de vous donner une récompense pour votre boulot sur Isla Matanceros. En même temps, c'est cool de voir en rouge. Alors, la marge bénéficiaire, $57,000 à la minute, c'est ça? Bon, on va jeter un œil à nos quêtes. Voyez-vous, on a fini une première mission, on a le divertissement et la sécurité qui sont disponibles. Alors lui, il dit 50% à Edmontosaurus. Puis lui, il parle du carnivore. C'est marrant, la sécurité, il parle d'un herbivore. Divertissement, carnivore. On a le choix, on a le temps. Par contre, on voit qu'on a encore beaucoup de choses à débloquer. Vitesse d'extraction, c'est pas mal, ça. Ça me plairait. Le restaurant aussi, pour plus d'argent. On va rester sur la science et distraction. De toute façon, on a quoi encore? Ah, il faudrait prendre une photo de plus de $5,000. J'ai jeté un coup d'œil à ce projet. Vous devriez en faire autant. Ça, c'est facile. Donc, il faut plus améliorer le bâtiment. Plus on aura de bâtiments, plus on pourra engranger de bénéfices. La vitesse d'incubation 1.0. T'es mignon, toi, mais je l'ai comment, celle-là? Oui, c'est en recherche. Bâtiment. Ah non. Amélioration de bâtiment. Ouf. Alors, un monde, ça me coûterait le 1.0 $100,000. Oui. Oh, c'est cool. Centre des fossiles, ça donne quoi? Stockage augmenté. Un fossile en plus, $300,000. Super. Électricité, on fait du gâchis. Production améliorée, augmente 14% production. Les coûts d'entretien sont réduits de 4%. Protection de coupure. On peut pas pour l'instant, vous voyez, on a qu'une recherche. Bon, c'est pas grave. On revient sur les quêtes le temps que ça se passe. On peut pas du coup Allez, refais-moi ça pendant ce temps-là. Un petit coup d'archive, on est encore dans les temps. Le type savane est débloqué, d'accord. La maladie de l'ankylostomose. Voilà. Et en personnage, nous avons aujourd'hui le docteur Ellie Sattler. C'est un produit jurassique, ça aussi. Je disais 94 début, c'est 93, c'est si vieux que ça. Ah ouais. C'est vrai qu'à l'époque, c'était énorme de voir ça. Surtout les brachiosaures, les brontosaures qu'on voyait arriver de loin. C'était magnifique. Bon, côté touriste, c'est pas mal. Et je voulais pas faire quelque chose comme j'ai de l'argent. On pourrait se faire plaisir. On a ici de quoi faire. On pourrait se faire un hôtel qui va augmenter la fréquentation. Mais il me faudrait du coup de la place. Et là, il y a le petit plan d'eau qui est pas vilain. Est-ce que j'ai de la place ici? Bon, là, il y a obstruction avec... C'est le plan d'eau qui gêne à mort. Ah. Et ici, comment c'est?
non plus. Alors, je sais qu'un hôtel c'est gros, mais quand même. Alors, qu'est-ce qui gêne? Contrainte de terrain et hors limite. Ah ouais, bon. Bah, je crois qu'on va changer ça. On va faire l'hôtel. On va installer lui. Punaise, les contraintes de terrain. Il doit y avoir une pente. Ok, on a réussi la viabilité. Ouais, bah écoute. Hein. Apparemment, ici, ça veut bien. Allez, on va se faire un petit hôtel. On verra après comment on va optimiser les chemins. C'est pas dramatique, c'est la première île. Allez. Voilà. Donc, ajouter... C'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Faites passer notre note de service à 5 étoiles. En divertissement, si tu veux, on va essayer. Hein, Diversité limitée. Je suis Claire Dering. Ce n'est pas mon premier séjour dans ces îles. J'ai commis quelques erreurs sur Isla Nublar et j'ai essayé de tirer quelque chose de positif de mon expérience. Je crois en notre projet, mais nous devons faire les choses dans les règles. D'accord, donc là on a 333 visiteurs, donc on est passé à quasiment 2 étoiles. Et on est quasiment à 5. Mais on va avoir un hôtel. Visibilité, oui, notre nourriture. Boisson, divertissement. Ok. On est presque à 5, donc ça peut marcher. Alors, des fossiles sont arrivés. Et c'est bientôt la fin de l'épisode aussi. Du coup, on va prélever le Ceratosaurus, on va augmenter. Et on va envoyer, du coup, vers l'Anmontosaurus. Car c'est demandé. Et on revient un peu, note 4,8 sur 5. On va commencer par le laboratoire de génétique, la viabilité des œufs. Voilà. Incroyable. Continuez sur cette lancée, surtout. Incubation, viabilité et la capacité de la couveuse. Qu'est-ce qu'on aurait comme bestiole pour la diversité? Ah, le carnivore est arrivé et l'Edmontosaurus est là. 56%. Mais il a un bonus plus 10 avec ce qu'on a ajouté comme module. À la limite, je serais bien intéressé. On va attendre ou pas? On va essayer de choper une autre quête. Un peu de science. Une proposition intéressante, ça se saisit tout de suite. $75,000 de déficit par minute, on est à combien? On n'est pas trop loin. Au début, je faisais ça pour l'argent. Et puis, j'ai vu ce qu'on accomplissait ici. Ça tient de la magie. Ces dinosaures sont bien plus qu'un enjeu financier. Bon, l'hôtel, magnifique. C'est pas trop ardu. Alors, pour l'instant, on a une boutique de souvenirs, un fast-food. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus pour les visiteurs? On va mettre un abri. Allez, on peut rien de plus pour l'instant. On n'aura rien que la science. Le restaurant, on va l'avoir. Donc, il faudrait faire... Voilà, le divertissement en priorité. Ah ouais, divertissement. Oh, faire passer une note de service à 5 étoiles. Bon, on va aussi essayer peut-être de faire une photo. Allez, de plus de $5,000. Nous avons reçu un avis de tempête. Le problème, c'est que je vois que ma note a baissé à 3,9. On va augmenter le personnel dans les bâtiments. Je pense que ce serait une solution. Il y a 3 dinosaures. Allez, allez, allez. Finissons-en rapidement. Et là, c'était plus gros, c'est mieux.
4640. Oui, d'accord. Il va pleuvoir. Ah. Tu peux aller rejoindre ton copain. Allez, on va le pousser un peu. Non, tu veux pas? Bon, c'est pas grave. Dans ce cas-là, ce que je disais, on va augmenter le personnel. Puis je vois que la fin d'épisode approche de toute façon. Donc on va mettre le personnel au max. La note de service est remontée à 4,2. Alors l'affichage de gestion, je vois pas trop ce que c'est, je m'en suis jamais servi. Commerce. Nourriture, oui, d'accord. On est redescendu à 3,9. Ah ouais, c'est pas très logique. Les bénéfices, j'en suis encore loin. Donc on va les augmenter en faisant plus de dinos. Et pour ça, je pense qu'on va devoir le faire. On va d'abord faire des petits. Voilà, on va augmenter la population. Tout se passe très très bien. Puis après tout, on verra ça au prochain épisode, si vous êtes d'accord. Moi, ça me semble correct. Oh, t'es mignon, toi. Tu viens par là. Donc on a revu encore des petites choses en plus. On vérifie juste les fossiles. Oh, empreinte de peau. 100 000 $. Voilà, je voulais augmenter les Montosaurus. Eh ben écoutez, on va relancer encore une expédition sur les Montosaurus. Hop, et on va le faire au prochain épisode. Impec. Allez. Moi, je reprends mon joujou. C'était Tekamon pour vous dans Jurassic World Evolution. Et je vous dis au prochain épisode. On libérera les dinos, promis. Wouh! Est-ce que je peux prendre des touristes en photo, vite fait? Hey! Rien? Il vaudrait peut-être mieux réessayer. Oh, misère. Bon, allez, bye bye tout le monde. Tchuss!